Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. À la CIAML cette année, c'était exceptionnel. C'était formidable. Il y avait la place pour tout le monde. Papa Begri a beaucoup travaillé. Lui n'a pas vu tout ce qu'on a vu. Il était dans le coin, comment il fallait nous faire coucher et tout. Mais il a fait. Donc nous sommes partis. C'est vrai, c'est la CIAML. Mais seulement, ce n'est pas du tout repos. Au début, nous sommes allés. Vraiment, la CIAML a commencé. Papa Dion était là, il circulait, il faisait ce qu'il fallait faire. Voilà, Papa Gondo. Nous étions assis sur le fauteuil rouge. On était à l'aise. J'étais à l'aise. Parti à la CIAML, fauteuil rouge, derrière Papa Dion. Tous les matins, durant 2 jours, on était là. Et après, moi-même, ma conscience a commencé à me travailler. Papa, toussait à chaque fois qu'il arrive. Mais Maman Nanda, tu dois être de l'autre côté. Parce que c'est CI, tu dois être de l'autre côté. Je dis, mais l'autre côté, c'est où encore? On me dit au camp. Ah, au camp. D'accord. Je me suis approché du pasteur CI, j'ai dit, mais le camp c'est où? Il dit, c'est à la cuire d'âme. Donc le 3e jour, Papa Gundo ne me voyait plus, à la cuire d'âme. Là, c'est le travail. Tu n'as pas le temps de louer. Tu n'as pas le temps de dire, on a mis tes choses, je m'en vais danser. Il n'y a pas ça là-bas. C'est ton toi-même de chrétien, là, tu vas travailler. Mais les cas sont là. Les gens ont soif de Jésus. Vous qui êtes ici à Paris, arrêtez de jouer à Jésus. Rester dans les détails, là, c'est pas bon. Les gens ont soif de Jésus, tu vois. On les amène. Ça passe par les Gundo. Ben, Maman Gundo, après les vêtements verts. Et après, on dit à la cuir d'âme. Non seulement on a prié pour elle, toi, tu viens juste pour l'enregistrer. Le thème, c'était sur la restauration dans tous les domaines de notre vie. Et il y a eu des miracles. J'ai vu de mes propres yeux des paralytiques marcher. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, mais j'ai vu moi-même de mes propres yeux des paralytiques marcher. Il y a eu d'autres miracles. Et tout s'est bien passé. Papa Dieu a prié pour nous. Papa Dieu a béni chacun de nous. Wow. Et moi, j'ai travaillé. Moi, j'étais au camp des évangélisations. J'étais au camp d'évangélisation. On a évangélisé, tout ça. Il y a eu beaucoup d'invités qui étaient venus. Et beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Wow. Effectivement, à la CIAML cette année, Dieu a fait de grandes choses. Je vais vous donner le témoignage d'un monsieur. Je vous ai dit que le premier jour au camp, on a reçu, le premier après-midi, au moins 200 cas. Le lendemain matin, on a eu au moins 400. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les gens venaient. Et ce monsieur-là, je pense que c'était le mercredi matin ou le jeudi matin, je ne me souviens plus. Tes voisins ou bien ses parents sont venus nous chercher au camp, comme quoi il y a quelqu'un qui est malade, qui est couché, de venir le chercher. On a dit que bon, nous, on ne va pas chercher. Normalement, c'est les églises de maison, les nouveaux baptisés, qui nous envoient les cas, et puis nous, on fait le travail. Ils ont insisté, et on a fait signe, les églises de maison sont allées chercher le monsieur, qui ne peut pas s'asseoir, qui ne peut pas s'arrêter, qui était vraiment mourant, bien amaigri. Et quand il est venu, on a prié pour lui. Après, il est reparti. Le lendemain matin, ils veulent encore faire la même chose. On a dit non, que attendez, qu'il écoute d'abord la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas du charlatanisme. Il faut qu'il écoute la parole de Dieu. S'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il le fasse. Et puis Dieu fera grâce selon son bon vouloir. Et donc ils sont restés, ils ont fait le programme jusqu'à ce que le programme finisse. Le monsieur, il était toujours couché sur son matelas, je ne sais pas, pas loin de notre camp. Et rien ne se passait. On a fini le programme. Et le dimanche, il n'y a pas eu de prédication en tant que telle. Oui. Le dimanche, normalement, c'est réservé pour les défilés, pour la fin, choses, tout ça. Et arrivé à un moment donné, au moment où tout était pratiquement fini, on entend du bruit. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur qui était mourant, non seulement il s'est levé, il a commencé à marcher et Dieu a fait son miracle. Alléluia. Pour dire que quoi? Jusqu'à la dernière minute, il a espéré, il a écouté la parole, il a mis sa confiance à Dieu et Dieu a fait son miracle, il est rentré chez lui délivré. Amen, acclamons le Seigneur. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec patience. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, persévère, 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 persévère. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Et quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Oui, son regard est sur ce qui lui appartient. C'est vrai, si Dieu a mis en toi un rêve, il faut persévérer. Alléluia. S'il a mis un rêve en toi, n'oublie jamais, persévère, parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit tous les jours. Alléluia. Et un penseur, homme politique mondialement connu, pouvait dire: un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Nelson Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Et ce matin, Dieu, mon frère, ma soeur, voudrait te parler de la détermination. De la détermination. Dimanche dernier, on a dit que nous sommes sur le chemin. Et pour que tu sois sur le chemin, il faut qu'il y ait en toi une détermination. Tu as eu un rêve. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit des choses. Mais est-ce que tu es déterminé? Nous prendrons 3 exemples dans la Bible et un exemple contemporain que peut-être chacun de nous connaît, mais on n'a pas cherché à tirer les leçons de ce personnage. La détermination. La détermination, c'est l'état de ce qui est déterminé. C'est une fermeté, c'est une résolution. La détermination est une résolution. Raison pour laquelle dans Job 22, verset 28, il est écrit que à tes résolutions répondront le succès. À tes résolutions répondront le succès. Ce matin, chacun de nous veut voir son frère, veut voir son fils, veut voir l'autre réussi. Et surtout que demain, c'est la rentrée scolaire. Mais pour que ce succès soit ton partage, Dieu te demande une seule chose, la détermination. Dieu veut que tu prennes une résolution. Dieu veut que tu sois ferme dans tout ce que tu voudras faire. Et la détermination est une clé de la réussite. La détermination est la force royale du refus de perdre. Quand tu es déterminé, tu refuses de perdre. Perdre ta vie spirituelle, perdre ta vie sociale, perdre ta vie conjugale, perdre ta santé, perdre tout. La détermination est la force royale du refus de perdre. Je suis, et je ne cesserai de le dire, écœuré quand je vois que dans notre milieu chrétien, on glorifie tellement le diable. On glorifie le diable et je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont rendu témoignage des merveilles du Seigneur. Dieu, il est vraiment merveilleux. Dieu, il est fidèle. Il n'échoue jamais, quel que soit le temps que ça peut prendre. Nous avons le grand Dieu en nous. Si le Dieu a permis qu'il réussisse, ce n'est pas nous, notre grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui ne peut pas le permettre. Vrai ou faux? Tu crois que notre Dieu a échoué? Mais pourquoi toi, chrétien, chaque jour, tu ne fais que glorifier le diable, tu ne fais que glorifier les sorciers? Ignore un peu le sorcier. Ignore-le, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Et glorifie ce roi des rois. Alléluia. Apprends à glorifier Dieu. Il existe. Il est fidèle. Et dans la Bible, il y a des personnes qui ont pris des résolutions. Des résolutions face à certaines situations. Et cette résolution a permis que ces personnes soient dans l'histoire mondiale. Ils étaient déterminés, ils étaient fermes. Ils ont dit, je dois gagner, je dois aller de l'avant. Ils ont mis des limites, ils ont mis des limites à l'échec. Ils ont dit, échec, c'est ta limite. Parce que dans la détermination, c'est déterminer des limites. Ils ont parlé au diable, ils ont parlé aux circonstances. Là, c'est la zone interdite. Ils ont dit, ça c'est une zone interdite. Tu ne dois pas accéder. Effectivement, par cette détermination, ils ont pu accéder à des choses incommensurables. Je voudrais vous parler du cas de Ruth. Ruth, qui signifie combler de biens. Ruth, cette veuve, est aujourd'hui rentrée dans l'histoire de l'humanité. En parlant de Jésus, on fera toujours référence à Ruth. Parce que ce Jésus que nous adorons chaque jour est descendant de Ruth. Mais pour que Jésus, sinon on puisse parler de Ruth par rapport à Jésus, elle a pris, elle était déterminée. Vous savez qu'avec moi, que Ruth a été veuve après 10 ans de vie conjugale. Naomi, on va aller dans Ruth 1, du verset 1. Ruth 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia, un chapitre enrichissant. Naomi a perdu son mari et quelques années, elle perd ses 2 fils qui étaient mariés à 2 femmes, Orpa et Ruth. Ils sont morts. Elle va dire à ses belles filles, rentrez chez vous, allez-y. Vous voyez, je n'ai plus d'enfants. Elles ont dit non, on ne te laisse pas, on est avec toi. On est avec toi, belle-mère. Au verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi irez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez mes fils, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être à un mari. Si je disais que j'en ai l'espérance, quand cette nuit même je serai à un mari et que même j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resterez-vous pour cela sans être à un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous. Et elle a dit ce qui était vrai. Elle dit aux 2 femmes, si aujourd'hui je me mariais, je vais prendre un mari. Non seulement je suis vieille, mais est-ce que je peux enfanter? Si j'arrivais à enfanter, 9 mois d'abord de grossesse, il faut que j'ai aussi des jumeaux, parce que vous êtes 2. Si j'ai des jumeaux, à Dieu c'est la gloire. Si je n'ai pas des jumeaux, à qui je vais donner? Donc 9 mois. Et votre mari, vous allez le voir naître. Vous allez lui donner le bain. Donc vous allez attendre jusqu'à ce qu'il devienne grand. Plus vous allez attendre, vous aussi, votre âge ne va pas diminuer. Votre âge aussi va augmenter. S'il a 10 ans, vous serez peut-être à un âge. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas comme ici, où on peut marier même là son arrière-grand-mère. Et elle a dit, tu ne peux pas marier ton arrière-arrière-petit-fils. Donc, il faut te chercher. Cherchez-vous. Opa a vu la vérité. Il dit, ah, je suis encore jeune. Je ne suis pas vieille. Je ne suis même pas à la ménopause. Elle regarde. Elle s'est mise. La nuit, quand il fait froid, je fais comment? Ruth, elle est là, toujours avec sa belle-mère. Et voilà, Naomi, sinon Naomi va encore parler à ses belles-filles. Et Opa va accepter la décision. C'est une décision logique. Entre nous, est-ce que ce n'est pas une bonne décision? Tu penses que ce n'est pas une bonne décision? Attends, tu viens, tu n'as même pas encore même à 50 ans. Tu vas rester veuve. Opa, elle a vu cette réalité. Elle allait embrasser sa belle-mère pour dire, je vais me chercher. Mais Ruth, femme déterminée, on va lire verset 16 au verset 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ne me presse pas de te laisser. Oui. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Quand quelqu'un est déterminé, il ne se laisse pas séduire par les circonstances. Quand quelqu'un est déterminé, il ne se laisse pas séduire par les problèmes. Continue. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec toute rigueur et autre chose que la mort vient à nous séparer. Amen. Amen. Elle a mis la malédiction sur elle. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu vas demeurer, je vais demeurer. Là, d'abord, elle utilise le futur. Et ton peuple, c'est le présent, est mon peuple. Ton Dieu, ce Dieu que tu adores, est aussi mon Dieu. Où tu vas mourir, je vais aussi mourir et on va m'enterrer là. Elle avait son pays. Mais femme déterminée, qui savait ce qu'elle voulait, n'a pas voulu se laisser avoir. Elle dit, je serai ensevelie. Que l'Éternel me tienne rigueur. Elle a prononcé même des malédictions sur elle, si elle arrivait à abandonner sa belle-mère. Voici quelqu'un qui est déterminé. Dans ta marche chrétienne, tu dois être déterminé. Quel que soit vents et marées, tu as dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. La nouvelle Jérusalem, j'irai aussi. Mon nom sera inscrit. Mais tu n'aimes pas encore faire un parcours. Voici, les situations te font chagriner. Les situations font qu'aujourd'hui tu es déçu. Les situations font qu'aujourd'hui tu as abandonné la main de Christ. Tu n'es plus le même. Ruth a dit, je ne t'abandonnerai point. Et pour cette détermination, elle a posé des actes. Dans Ruth, chapitre 2, verset 2, Ruth a travaillé. Quand on est déterminé, on pose des actes. Quand tu fais une chose, tu poses des actes. Tu ne te laisses pas pour qu'il ne dise pas, oui, moi j'irai au paradis. Et tu vas aller au paradis et tu es assise. Non. Ruth, au chapitre 2, verset 7, on dit Ruth travaillait. Elle allait au champ. Du matin jusqu'au soir, elle était debout. Elle travaillait. Voici une femme qui est déterminée. On dit oui, tel a eu du succès. Et c'est toujours dans notre milieu chrétien qu'on ne peut même pas avoir un industriel. On ne peut rien avoir ici. Et on est là, c'est les sorciers, c'est les sorciers. C'est toi-même qui es sorcier. Donnons gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Apprenons à glorifier Dieu. Ruth, elle ne s'est pas assise. Elle s'est mise à travailler. Et son travail a porté fruit. Toi, demain, tu vas aller à l'école. Ne dis pas que le Saint-Esprit va prendre un stylo pour écrire pour toi. Il faut que tu te mettes à réviser. Tu dois faire la part des choses. Un chrétien qui est dernier en classe, ce n'est pas normal. Un chrétien qui a 0 sur 20, ce n'est pas normal. En toi habite le grand Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui a donné l'intelligence à Daniel et à Salomon. Tu peux aussi réussir. Ruth, elle s'est mise à travailler. Et son travail va porter fruit. Elle allait travailler chez quelqu'un. Et cet homme a vu son travail. Et c'est de Ruth va sortir Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es déterminé, tu auras toujours du succès. Quand tu veux une chose, que tu as fait un rêve, que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit cela, c'est pour toi. C'est pourquoi ce chant a dit, si Dieu a mis quelque chose en toi, persévère. Persévère. Il y a d'autres qui ont commencé avec 0. Et aujourd'hui, ils ont évolué. Persévère. Alléluia. Ruth 2, 17 à 18. Dans les champs, jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il lui environ un effort d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas. Il lui donna. Sa belle-mère lui dit, où vas-tu glaner aujourd'hui et où vas-tu travailler? Alléluia. Voici Ruth. Elle allait glaner et quand on lui donne, elle donne aussi à sa belle-mère. Quand tu es déterminé, il y a des actes qu'il faut poser. Il ne faut pas emmagasiner pour toi seul. Parce que Dieu y bénit. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Dans l'échec, il y a toujours la victoire si tu veux réussir. Je me demande souvent, est-ce que nous avons ce vrai Dieu en nous? Je me demande souvent, est-ce que nous adorons ce Dieu des miracles? Je me pose des questions. Est-ce que le chrétien, il sait en qui il a cru? Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Voici Ruth qui n'espérait même pas. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Ruth. Tu n'es pas né pour rester malade. Dieu veut faire de grandes choses à travers toi. Mais tu te morfonds à chaque jour. Tu es là, quand on te voit, tu inspires la misère, tu inspires la pauvreté. Or, tu as ce Dieu tout-puissant qui ne change jamais, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ruth était déterminée. Un autre exemple de quelqu'un qui a été aussi déterminé. Et sa détermination a contribué à sa délivrance. On a toujours parlé de cet homme. Mais je voudrais attirer votre attention ce matin que cet homme, il était déterminé, l'aveugle Bartimée. Dans Marc 10, 46 à 52, la Bible nous dit que Bartimée était au bord du chemin. Bartimée était visible. Marc 10, 46 à 52. Et au verset 47, la Bible nous dit que Bartimée attendit que c'était Jésus qui passait. Il a vu, il a entendu, parce que lui, il ne voyait pas. Il était dans une position qui lui permettait d'attendre. D'attendre. Il ne pouvait pas voir. Mais dans quelle position es-tu? Dans quel cadre es-tu? Et quand Bartimée a entendu que c'était Jésus, il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Aie pitié de moi. Parce qu'il savait que Jésus est quoi? Jésus, à l'instant où il passait, représentait qui pour lui? Il va le sauver pourquoi? Jésus était sa solution. Bartimée, ce n'était pas pour aller au ciel. Ce n'était pas son problème. À l'instant où Jésus passait, il voulait faire quoi? Il voulait voir. Il voulait voir. Lui que, d'abord même, il ne sait même pas ce qu'aller au ciel. Ce n'était pas sa préoccupation à l'instant T. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'était pas sa préoccupation pour être sauvé. Sa préoccupation, c'est sa délivrance. Bartimée voulait voir. Il voulait voir comme les autres. C'est pourquoi il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ta solution est à côté de toi. Où tu vas chercher des solutions? Ta solution, ce n'est pas un être humain. Ta solution est Jésus. Alléluia. Mais tu passes par mille chemins. C'est pourquoi tu tournes en rond. Oh, la solution est là. Et au verset 48, on dit plusieurs sont venus le reprendre. Quand il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pas une seule personne. Si on était à l'époque de Bartimée, sinon si Bartimée était à notre époque, quelle parole il pouvait attendre? Un exemple de parole. Quoi? Arrête de crier. Mais ça, il est gentil, arrête de crier. Quitte-la. Tais-toi. Il faut la fermer. Va te faire... N'est-ce pas? Les gens allaient, regarder, ils vont dire même ça l'aveugle. Est-ce qu'ici nous sommes dans un stade? Ici ce n'est pas un stade. Bartimée pouvait attendre toutes sortes de paroles. Même certains allaient le brutaliser. Hey, tais-toi là, tais-toi, tais-toi. Mais Bartimée, plus la Bible dit qu'on plus les gens l'empêchaient, plus il criait. D'autres même sont venus me fermer sa bouche. Il criait, quels que soient les moyens utilisés. Bartimée trouvait toujours le moyen de crier à sa solution. Alléluia. Bartimée trouvait toujours les moyens. La Bible dit que plus on l'empêchait, plus il criait. Il était déterminé. Ce n'était pas la foule qui pouvait bloquer. son succès, parce qu'il avait en tête sa guérison, sa délivrance. Mais on vient des futilités, on aime des futilités, et les gens sont en train d'avancer. Et pendant que nous, les chrétiens, on est divisés, le diable a été de régner. Comment un jeune, même un président de la République, ils n'ont pas pu faire comme lui. Quand il est mort, ils n'ont pas célébré, ils n'ont pas fait ses obsèques comme lui. Et on est là, il y a un pasteur qui m'envoie une vidéo qui pleure dans son message pour dire qu'on serait surpris de voir ce jeune homme au paradis. Que Dieu l'a convaincu que ce jeune homme sera au paradis. Il va au paradis. Elle-même, elle sait où elle va. Seigneur, il dit, on aime mettre des choses pour dire que c'est le Saint-Esprit. On serait surpris. Hein? Là-bas, on serait surpris. Tellement de faux. De faux, de faux. Et on est là. Tu as ta solution en face de toi et tu ne fais rien. Jésus est la solution à ton problème. Ce n'est pas l'homme qui est ta solution. C'est pourquoi Bartimée, il criait davantage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est toi qui dois prendre cette décision. C'est toi qui dois prendre cette résolution. Face à la situation de tes enfants, aujourd'hui, c'est les enfants des chrétiens qui sont les dealers. C'est les enfants des chrétiens qui sont des voleurs. Voyez, quand on regarde la plupart des sectes qui ont plusieurs adhérents, sont plusieurs adeptes. Ces enfants, ils étaient des chrétiens. Quand on prend même l'église des saints des derniers jours, cet homme, il était chrétien, évangélique. Ses parents étaient chrétiens. On cède la place au diable. Le diable a été de gagner. Et on ne se soucie même pas. On est là, dans nos futilités, dans ce qui ne nous arrange même pas. On est là. Et puis, le diable, il applaudit. Il applaudit. Ah, c'est bien. C'est bien, les chrétiens, allez-y. Allez-y, moi j'ai fait mon travail. Continuez comme ça, moi j'ai fait mon travail. Glorifiez-moi, j'ai fait mon travail. Quand tu lui dis, ah, c'est les sociétés qui m'attaquent, il dit, voilà, j'ai encore gagné un chrétien. C'est les sociétés qui empêchent que je puisse réussir. Ah, lui, il est content. Mais disons un jour, Jésus m'a fait réussir, alléluia. Jésus, même, je n'ai pas mangé, Jésus a permis que je ne meure pas. C'est de bons témoignages. Est-ce que ce n'est pas un bon témoignage? Tu n'as pas mangé, tu peux glorifier Dieu. Les dimanches, même si tu n'as pas mangé, il faut glorifier Dieu. Bartimée, il était déterminé. Chaque détermination est confrontée à des épreuves. Chaque rêve, tout ce que tu vas décider, ça s'est confronté à des épreuves. Et ce n'est pas l'occasion pour toi de baisser les bras. Il faut que tu avances. Tu dois être quelqu'un qui avance, qui ne recule jamais, qui va jusqu'au bout. Quel que soit, Dieu, il est fidèle. Et sa fidélité est la meilleure raison d'espérer. Vous voyez, pendant le déluge, quand Dieu a dit à Noé, fais l'arche, La Bible dit que tous les animaux sont rentrés. Même la tortue est rentrée. La tortue a pris son temps. Doucement, 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 doucement. Et la tortue est arrivée. Or, le cheval, quand on a dit, lâchez-la, le cheval a couru. Hein, il a commencé à galoper, il est rentré. Mais la tortue dit, lâche, c'est mon objectif. Je vais arriver dans l'âge. Aujourd'hui, c'est parce que la tortue a pris tout son temps qu'on parle aujourd'hui de tortue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit que Dieu a détruit les animaux, il a détruit tout ce qui était sur la surface. Mais il a fait rentrer les animaux 20 par 20, 2 par 2. La tortue aussi est rentrée dans l'âge. Toi aussi, quel que soit le temps, si tu es déterminé, tu vas obtenir ce que tu veux. Laisse les autres courir. Laisse. Mais sache que toi aussi, tu vas rentrer. Il faut avoir la vision. Vois ton rêve. Et si tu rêves à une chose, tu vas l'obtenir si tu le veux. Ton échec dépend de toi-même. Ton succès dépend de toi-même. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Si tu veux que ta famille réussisse, elle va réussir. Il est écrit que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Dieu a tout pourvu pour toi. Il a tout mis pour toi. Mais à toi de saisir. À toi de rentrer en possession. Laissons les petits calculs de côté. Crois en ce Dieu tout-puissant. Tu es capable de faire de grandes choses. Et au verset 48, sinon 49, Jésus va se servir de tous ceux qui se sont opposés à Batimée. Il va dire à ces personnes, allez-y chercher Batimée. Si tu es déterminé, alors tu peux lire le verset 49, s'il te plaît. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jésus va se servir de ceux qui sont opposés à Batimée pour manifester sa gloire. Si toi, mon frère, ma soeur, tu laisses les autres, tu veux regarder à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent, tu vas perdre. Parce que ces personnes sont une source de bénédiction pour toi, si tu es déterminé. Dimanche dernier, on a vu que le Seigneur, il s'est servi des frères de Joseph pour que Joseph puisse atteindre sa bénédiction. Si Joseph n'a pas été vendu, son rêve n'allait pas s'accomplir. C'est après 30 ans, son rêve s'est accompli. C'est pourquoi, mon frère, je t'invite ce matin à être déterminé. Si Dieu a mis un rêve en toi, si Dieu a mis des choses en toi, et que tu n'as pas encore eu des choses en toi, demande au Seigneur, je suis en France, je suis en Europe, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma vie chrétienne, par rapport à ma vie sociale? Je dois réussir avec toi. Batimée a persévéré malgré l'opposition. Malgré les difficultés, Batimée a persévéré. Et aujourd'hui, il voit. Il a dit, je vois, ta bénédiction dépendra de toi, de la détermination, de la décision que tu vas prendre. Ce n'est pas un bishop, un attribishop, un archange bishop qui va prier pour toi pour que tu sois libéré. Mais si tu parles à ton Dieu, tu vas avoir cette bénédiction. Aujourd'hui, on court devant les archibishops, Aujourd'hui, on court devant tout le monde. On se met dans tous les... je ne sais pas. Je ne sais pas quelle patte cet homme a tissé. Il peut faire des choses extraordinaires. Des choses qui ont dépassé l'entendement. Il est écrit que d'autres feront des miracles extraordinaires. Mais il va dire, je ne vous ai jamais connu. Ta bénédiction, ton succès va dépendre de toi-même, de ta détermination. Si tu veux, tu peux. Si tu veux réellement, tu vas pouvoir. Et un exemple parmi tant d'autres, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais je voudrais qu'on quand même on tire des leçons de sa détermination. Il n'est pas chrétien. En principe, je devais parler de l'industrie de notre frère Séphon, de l'usine de notre frère Séphon, de Mathieu, hein, l'entreprise Mathieu. Je devais parler de l'entreprise Joseph Mambo. Je devais parler de l'entreprise Innocent Cra. Mais dommage, je vais parler de quelqu'un qui n'est pas chrétien. On peut s'en sortir, alléluia. Nous sommes une force, les chrétiens, est-ce que vous savez ça? On est des forces. Aujourd'hui, nos frères qui disent en haut, en bas, eux ils sont toujours en bas. Eux, ils sont des forces, ils sont unis. Ils s'en sortent, ils s'entraident. Même, ils sont même unis dans le mal. Unis même dans le mal. Si tu as affaire à un, tu as affaire à tout le monde. Mais nous, quand ton frère va souffrir, oh, il a péché. C'est les conséquences de son péché. Pécheur. Toujours Dieu, Dieu, Dieu. Mais regarde son cœur. Il est rempli de péché. Il adultère. Il est impudique. Il est comme ça. Moi-même, je l'ai vu. Ils vont maintenant mentir. Tu ne l'as même pas vu. Ce qu'il a vu, viens lui, va vers ton frère. C'est comme on a rendu un témoignage de quelqu'un qui a surpris un autre frère. Bon. Et dimanche, il vient pour dire qu'il parle la langue. Il va dévoiler la personne. Mais tu as vu ton frère. Va vers ton frère pour dire, mon frère, hier je t'ai vu dans tel lieu. Répands-toi. Mais tu ne vas pas venir en plein dimanche pour dire ainsi par l'Éternel. L'Éternel, Dieu est là. Dieu est là. Attends, tu ne dis rien de bon, parce qu'il est écrit que là, 1, 200 réunis, il est là. Tu vois, je ne sais pas, des prophéties qui n'ont pas de sens. Dieu est là. Je me souviens quand on était au département de la jeunesse, on était à un moment de programme, de feu, et aspiration du Saint-Esprit. Et à un moment, il y a une soeur qui disait, Dieu est là, il est là, il est là. Elle avait une robe. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et elle nous montrait sa nudité pour nous maudire. Ça, c'est Dieu, ça. Et Dieu est là. Est-ce que Dieu te dit de soulever une robe ou une jupe? Donc, je disais, je vais parler de Frankie Zapata, au moins. Cet enfant, il avait un rêve. C'est pourquoi Nelson Mandela dit qu'un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Frankie Zapata, il avait un rêve d'enfance. Il a fait des choses. le Jessic, il a fabriqué, il a vendu. Et au fur et à mesure, il avait des rêves. Il cherchait à évoluer. Il était déterminé. Il était déterminé. Pour info, ce Frankie Zapata, c'est pour ceux qui se souviennent, le 14 juillet, l'homme qui a volé. Il a traversé aussi, je vais revenir sur ça. Et quand il avait en lui ce projet de faire, d'inventer son projet, son matériel, il a connu des problèmes. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il a arrêté l'école à quel âge, en quelle classe? Il a arrêté l'école quand il était dans quelle classe? Quoi ça? Il a arrêté l'école quand il était en troisième. Et aujourd'hui, il a 3 ingénieurs dans sa société. 3 ingénieurs. Il a 12 salariés, 3 ingénieurs qui commandent. Donc ça veut dire que mon frère, ma soeur, quel que soit ton niveau, tu peux t'en sortir avec Jésus-Christ. Jésus ne va pas t'abandonner. Sois déterminé. Bon, ce frère, il a inventé un appareil. Il a eu des problèmes. Mais il a persévéré. Persévéré, il était déterminé. Parce que son rêve d'enfance, il a voulu que ça se réalise. Il n'a pas regardé aux différents obstacles. Même quand il allait voir l'armée, ça a été très difficile. Et finalement, il a eu un prêt de une subvention de 1 300 000 €. Il a survolé. Quand il a fini, le 25 juillet, il a voulu lancer un défi, relever un défi, traverser la Manche, 35 km. Et il y avait une vitesse de plus de 150 km à l'heure. Quand il a commencé, il allait, il a fait échec. Mais dès son échec, il est sorti de là, il a dit, je vais traverser la Manche. Je traverserai la Manche. Alléluia. Il était déterminé. Il n'a pas dit, c'est les sorciers de mon village là de Marseille, comme je suis de Marseille, c'est tous ces immigrés qui sont là à Marseille, c'est eux qui sont en train de me lancer des flèches. Non, dès qu'il a fait chèque, il a dit, je traverserai la Manche. Mais il ne s'est pas assis. Il a fait comme Ruth, il a travaillé. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et le 4 août, il est rentré dans l'histoire mondiale. Et dès qu'il a franchi la Manche, il a dit quoi encore? Je vais créer une voiture volante. Voici quelqu'un qui est déterminé. Lui, il n'a pas ce grand Dieu en nous, en lui. Mais nous qui avons ce grand Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Frère, la réussite aussi est à portée. Tu peux t'en sortir. Mais quand les chrétiens ils sont unis, il y a certains qui ne sont pas sérieux. On m'a rendu le témoignage d'un frère, de 2 frères qui se sont mis ensemble pour mettre un projet. Ils ont commencé et l'autre, il s'en capa du projet. Changer la situation. C'est parce que ton frère est venu d'Abidjan, qui n'a pas les papiers, comme toi qui as souffert. Tu veux qu'il souffre aussi. Et nous, comme on est venu en France, nous, on ne mangeait pas. Moi, on dormait dans la rue. Et alors, ça, c'est à ton époque, tu dois dormir dans la rue. Mais lui n'est pas venu ici en France pour dormir dans la rue. Aide ton frère à ne plus dormir dans la rue. Si tu as souffert, permets que l'autre ne souffre pas. Alléluia. Tu dois être un témoignage pour dire, mon frère, voici comment j'ai vécu. Donc, pour que tu t'en sortes, fais cela. Mais on est là pour enfoncer les autres, pour les enfoncer, pour les enfoncer. Et puis on dit les chrétiens. Et puis on dit qu'on aime Dieu. Changeons de mentalité, soyons déterminés. Alléluia. Parce que Dieu veut relever un défi avec ta famille. Dieu veut relever un défi avec tes parents. Dieu veut relever un défi avec tes enfants. Il faut que nous réussissions dans notre marche chrétienne. Il faut que nous réussissions dans notre vie chrétienne, dans notre vie sociale. Tu es condamné parce que le grand Dieu en toi, arrête de glorifier le diable. Sans orgueil. Souvent même, hein, je ne sais pas si les sorciers existent. J'essaie d'ignorer les sorciers. Et je veux glorifier ce Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot sur moi. C'est Dieu qui est capable de tout. Lui seul prendra la décision sur moi. Lui seul changera ma destinée. En toi, tout, en Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour cette rentrée scolaire, tu dois être déterminé. Tu dois te dire, je dois réussir. Il faut que je m'en sorte. Mon souhait le plus ardent, mes frères et sœurs, pour chacun de nous, même pour ma famille, que chacun de nous, on s'épanouisse. Qui ne veut pas s'épanouir ici? On allait voir un couple. Ils ont une grande maison. Ils ont 7 chambres. Et il a dit, il y a la chambre des visiteurs avec le salon. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Il a dit, il a mis à part pour aussi ceux qui doivent venir un jour. Et on est dans nos petits studios là. On ne peut même pas recevoir quelqu'un. Changeons de mentalité. Voyons grand. Alléluia. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Qui est d'accord avec moi? Qui pense que Dieu ne veut pas faire de grandes choses avec nous? Dieu doit faire de grandes choses avec nous. Parce qu'il est grand. Alléluia. On doit s'en sortir. Ne regarde pas aujourd'hui aux difficultés dans lesquelles tu es, mais regarde ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Si il n'a pas fait ça pour toi, sache qu'il le fera pour tes enfants. Sois déterminé. C'est vrai, tu n'as pas pu obtenir telle chose, mais chaque jour fléchis les genoux et dis que mes enfants, moi je n'ai pas obtenu cela, mais mes enfants vont avoir. Ceux qui sont à l'église vont avoir. Si tu pries pour ton frère, pour ta soeur, si elle a réussi, c'est une joie. Ce matin, je voyais une soeur avec une grosse voiture. Elle est rentrée dans sa grosse voiture noire. J'ai béni Dieu. Il dit, voici, c'est ce qui est rentré dans sa grosse voiture. Est-ce que ce n'est pas une joie? Un jour, tu vas nous aussi monter dans sa voiture. Mais pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux? Tu es celui qui n'a pas eu et que tu as un vélo. Bénis Dieu. Ici, mais il y a des personnes qui partent, il y a des ministres qui utilisent le vélo pour aller au travail. Donc, rends grâce au Seigneur. Dieu ne va pas t'oublier, mais ne croise pas les bras. Ne dis pas que tout va descendre du ciel. Fais et Dieu va accomplir. Alléluia. Jette et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Ton Dieu ne va pas échouer. Alléluia. S'il a fait pour ta soeur, il a fait pour ton frère, il peut le faire pour toi aussi. Bénissons le Seigneur chaque jour. Si Dieu a mis un rêve en toi, garde-le. Si Dieu a mis un rêve en toi, garde-le, quel que soit le temps. Que Dieu nous bénisse.